Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis 4 et la guerre de coalition est enfin finie. Elle a été longue mais elle m'a permis quand même à peu près de réaliser mes objectifs qui étaient de conquérir l'Anatolie. Bon, malheureusement c'est pas encore tout à fait ça hein, parce que évidemment même dans cette région j'en ai pas fini avec Machrek, j'ai pas pris le Caire. Donc je sais pas encore si je dois crier victoire ou pas. Mais c'est compliqué en tout cas. Alors je regardais, puisque il y a toujours cet objectif aussi. Alors ça appartient au Portugal. Je me demande si je vais pas rendre une visite au Portugal ici, la prochaine guerre. C'est un pays indépendant ça. Ça m'intéresse. Dans quelle région il est lui? Je parie qu'il n'est pas sur les côtes occidentales. Non. Parce qu'il y a toujours le haut fait sur les Indes là à faire. Ce continent indien. Et lui, il n'est pas ce continent perse. Hein. Ouais, non. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a le Bengale à la rigueur. Protectorat Jaunpur. Eh merde. Maldives. Est-ce que les Maldives compteraient pas pour sous-continent indo-occidental? Est-ce que ça compte pour le haut fait, ça? Pour la mission? Ça, ce serait intéressant. Comment je pourrais m'en assurer? Parce que... toute province concernée dans la région, Indonésie, Moluques, Malaya, Bengale, Deccan... Indo-occidental. C'est quoi déjà la région? Alors, hop. Malaya. Je crois que Malaya est dans la liste. Ouais. N'importe quelle province possédée dans cette région, donc Malaya est dans la liste. Donc ça pourrait faire partie de mes objectifs, honnêtement. Le problème, c'est que j'arriverai pas à le légitimer, je pense. Il aurait fallu que je prenne cette province pour moi. C'est bête. C'est pas grave, je pourrais prendre celle-là pour moi un peu plus tard, ce sera pareil. Il faut que je prenne une province avec un accès de ce côté-là, en fait, du golfe de Suez. Bon, ça va demander un peu d'organisation. On va d'abord rentrer à la maison avec ça. On va se mettre là. Je vais ramener la moitié de ma flotte. Alors, je sais pas où elle est, en l'occurrence... Ma flotte. Je vais lancer le temps. Ah, c'est parce que j'ai tout mis ensemble. Donc ça, pour l'instant, je vais mettre ça sur Gênes, par exemple, ou Venise. Allez, hop, Venise. Ouais, c'est pareil, ça faut que je le ramène à la maison. Ok. Donc ça, je vais le diviser. Je vais en prendre un certain nombre quand même. Ouais, pas forcément des masses. Ouais. Ce sera une toute petite guerre, donc on va pas se fatiguer. Ok. Est-ce que j'ai un commandant de libre? Non, j'ai plus d'amiral. Je peux pas trop en prendre parce que ça commence à être compliqué, question point diplomatique. Mais je risque de couler, en fait. C'est ça qui m'inquiète. Ah non, mon projet là, c'est trop tôt. Faudra que je fasse ça, mais un peu plus tard. Non, parce que ce qu'il y a, c'est que je cherche quelque chose à faire. C'est ça le problème. Il y a toujours cette guerre. Alors, ils sont alliés au Maroc. Ouais, c'est vraiment pas grand chose. Bon. Bénéfice ecclésiastique. Instabilité. Les clercs gagnent 10 en loyauté. En ce moment, on est comment? 10 en loyauté, ouais, ou acceptons moins 15 d'impôts. Ça, c'est assez énorme. Non, je vais refuser. Les moins 15 d'impôts, en fait, c'est assez catastrophique, surtout que les 0,50 les 0,50 d'influence papale servent à rien. Puisque, de toute façon, je suis à moins 7, un truc comme ça. Enfin, le moins est assez énorme.
Et du coup, pourquoi s'embêter? Ça, ce serait vraiment négligeable comme bonus. Les plus 0,5 là, ça sert à rien ça. Non, je vais prendre le point de stabilité, tant pis. Ouais, bon, c'est l'un dans l'autre, c'est pas terrible en fait comme événement. Alors, une petite. Juste, évidemment, on m'envoie un texte. Hein. Deux petites secondes, je crois que je monte si. Ok. Évidemment, on m'envoie les textos au mauvais moment, comme d'habitude, mais ça, j'y peux rien. Ouais, c'est parti. Essayer d'arranger ça. Hop, là on va se répartir. En tant que j'intègre Londres, j'avoue que je fais pas beaucoup de points là. Voilà, bah, justement c'est fini. Ça c'est plutôt cool. Conquérir Luz, c'est fait. Recouvrer nos réserves militaires. Ça peut être sympa. Honnêtement, ça va pas être compliqué. Ah, 560 quand même. Rayer Luxembourg de la carte. On est en trêve ou pas? Nouvelle-Hollande, trêve. Ah, on n'est pas en trêve avec eux. Ça m'intéresse. Bon, je vais faire ça en attendant. Je serais tenté de dire, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Je vais quand même faire des revendications sur eux au cas où. Est-ce que j'ai déjà revendiqué tout ça? Je suis pas sûr. Ah si, ça sert à rien, j'ai déjà revendiqué ça. Bon, par contre, je peux pas faire la guerre tout à fait tout de suite, tout simplement parce que j'ai quand même une petite lassitude de guerre. Donc ça, je peux jeter. C'est des transporteurs. Ça, il va falloir que je refasse mon armée, je crois. Ça, c'est beaucoup de mercenaires quand même. Hein. Alors, je vais faire la. Je vais faire une armée moitié mercenaire, moitié troupe régulière. Mais je vais en supprimer un peu. Voilà. Ça, je détruis. Ça, je détruis. Tout ça je détruis. Et du coup il me manque deux cavaleries, quatre artilleries. Et la bonne nouvelle c'est que j'aurai assez de troupes sur l'île anglaise. Et j'ai pas besoin de plus que ça honnêtement. Ça me suffit largement. J'ai dû prendre une grosse option sur ce nœud. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. Malheureusement, j'ai pas de marchand pour l'instant pour en tirer profit. Alors, le problème, c'est que j'ai tellement de troupes partout. Non, c'est bon, j'en ai plus nulle part, les troupes. En exil, là. Non, ça a l'air bon. Là, elle rentre doucement chez elle. Saint-Mons, Rethel, Crimée. Crimée. Ah, c'est peut-être parce que j'ai des problèmes de surexpansion ou j'en sais rien. Ouais, je suis en train de légitimer pas mal de territoires. Peut-être pour ça que j'ai quand même quelques risques de révolte. Alors, ici. Je vais peut-être les mettre en réserve. Ouais. Ce que je pourrais faire, c'est. Il faudrait que je construise un chantier naval. Alors. Durée de reconstruction de la construction navale locale. Limite navale 4. Durée de construction navale locale. Est-ce que j'en ai déjà de ça? Je pense que j'en ai quelque part, non?
Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. J'ai amélioré celui-là. Je vais me mettre sur place. Je crois que ça diminue le temps de réparation, mais je suis pas sûr. Administration efficace. Ouais, je prends les points administratifs, évidemment. Ça, il n'y a pas photo. Ah merde, j'ai trop construit, là. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah, parce que j'ai pris un événement qui me coûtait de l'argent. J'ai fait n'importe quoi. Bon, restons zen. Convoquer, ça me coûte un peu de prestige. Ça augmente leur influence, mais ils sont quand même... Ouais, ils sont relativement bas en influence. Ouais, je vais faire ça. J'aime pas les voir en dessous de la... Avec une loyauté aussi mauvaise, je dois dire. Bon, bah du coup, j'ai quand même fait pas mal de dettes. Faut que je me méfie quand même. Je vais essayer de rembourser ça assez rapidement. Ça me coûtait cher en fait de prendre ces 50 points administratifs. J'ai absolument pas capté ce que j'étais en train de faire, j'avoue. C'est pas grave, à mon avis, je peux très vite rembourser. Instabilité ou 50 de prestige? Ben, en fait, j'ai plus besoin d'instabilité. Ça, c'est bien dommage. Je vais prendre le prestige. Hein. Et là, ça me coûte combien? 7706, putain. Ah oui, c'est on est dans des gros chiffres. Oh, j'ai l'impression que les Pays-Bas ont un léger problème. Nassau les a bouffés. Ça, c'est de ma faute. Hein. Munster aussi. C'est un peu moi qui ai précipité leur perte, je dois dire. C'est pas la première fois que je fais très mal à une nation. Alors, rembourser tous les emprunts. Ça m'a coûté quand même 224 de prendre cette dette. C'est pas rien, en fait. Allez, sérieux. Pourquoi je peux pas... Ah, je suis en train de les légitimer. Ah non, j'ai plus de missionnaires, pardon. J'en ai déjà lancé 3. J'ai quand même pas mal d'argent par mois, mais... Je pourrais sans doute améliorer les choses avec un marchand supplémentaire. Alors, je vais me faire. Je vais abandonner la Lituanie. Ça, c'est clair. Ça va nous mettre en trêve, mais peu importe. On ne sait jamais. Si j'ai l'opportunité de les attaquer, je me priverai pas. Briser les liens royaux. C'est parti. Ensuite, je vais... J'ai bien envie, en fait, de collecter... Est-ce que je gagnerai pas à collecter ici? Je suis peut-être pas encore assez puissant. On va essayer... On va continuer à améliorer ça, plutôt. Alors, vite fait... Je renforce mes armées, parce que toutes mes armées sont pas à 20 000, ça me dérange, honnêtement. Ok, une petite conversion. Alors, ce que je me demande, c'est si je déclare la guerre au Luxembourg, est-ce que Brandebourg va venir les aider de nouveau? Ça m'intéresserait, honnêtement. D'avoir la possibilité de prendre quelques territoires en plus. Et comme on est en trêve, c'est loin d'être une certitude, en fait. Il faut vraiment que je regarde. Bon, après, il y a Bohème, Munster, Nassau, tout ça. À pas trop m'intéresser. J'ai pas vraiment de revendications sur Nassau. Je pourrais peut-être en faire un peu.
On ne sait jamais. Non, en fait, bon, je le fais, mais je crois pas que j'en profiterai. Alors, donc la question que je me posais, c'était... Ah bah oui, mais j'ai plus de diplomate avec mes conneries. Moi, je crois que Brandebourg, en l'occurrence, j'aurai rien à faire. Alors, on peut faire les revendications sans... Ouais, j'ai rien à faire. On peut faire les revendications sans avoir de diplomate, hein. C'est assez original, mais enfin bon. C'est comme ça. Alors, Luxembourg. Ah, les Pays-Bas, Brandebourg, tout le monde vient. Oh, c'est cool ça. C'est tout simplement très très cool. En fait, ça va me permettre de prendre un peu plus de territoire à Brandebourg, alors qu'on est en trêve. Jusqu'en 91, mais pendant 10 ans normalement, mais puisqu'ils viennent, c'est tout à fait intéressant. Alors, je vais basculer un petit peu de troupes à l'est. Va falloir que je fasse pas mal d'occupations. Bon, du coup, j'ai pas regardé ma lassitude de guerre. Ouais, elle est quasiment retombée à zéro. Les légitimisations, c'est quasiment fait. Alors, ce que je pourrais faire, c'est... Je crois que j'ai perdu mes revendications là-dessus, ouais. Je vais les refaire vite fait. Ok. Fès, je l'ai. Encore pour combien de temps? Pendant 10 ans. Ouais, jusqu'à la fin de la trêve, malheureusement. Bon, on verra. J'aurais peut-être besoin de la refaire de nouveau. Bon, ils sont en guerre, mais à mon avis, c'est pas une guerre qui va les empêcher de rejoindre. De les empêcher de venir aider le Luxembourg. Alors, un petit soulèvement. Séparatiste ottoman. Ah ouais, il y en a beaucoup. Hein. Kütahya, Sivas, Jérusalem, Hamid. Malheureusement, hein. Je vais pas pouvoir arrêter ça de façon efficace. C'est tous les territoires que j'ai pu garder là. Hamid, Kütahya et Sivas. Voilà, ça va ralentir les choses. Amasya, pardon. Mais ça va certainement pas les arrêter. Tant pis, on verra. S'il faut les mater, j'ai assez d'armées dans les parages. Je vais me positionner là. La science, c'est dans combien d'années? Voilà, c'est très très loin. Ah, j'ai des points administratifs à dépenser là. Ce serait bien que j'ai des provinces à intégrer. Il faudrait que je me trouve ça rapidement. Plus 6, plus 10, plus 11. Ok. Allez, c'est parti. Oui, sauf que bon, là j'ai pas de diplomate en l'occurrence. Moscou, je crois que j'ai atteint la limite de ce que je voulais. Il m'en faut vraiment pas beaucoup parce que on en avait besoin que deux en fait. Ok. La Lituanie. On va voir. La Lituanie, il y en a beaucoup par contre, hein. On va partir de Voronezh, Koursk, ok, Poltava, ok, Perestalva là, ah, c'est fini justement, merde. Bon, je continue. Les Ottomans, bon, les Ottomans, c'est même pas la peine, hein. Ah, ceci dit, je vais pas pouvoir en faire 50 000 des Ottomans. Ah, si, il y a un truc à faire, j'ai oublié. Ça m'y fait penser justement. Il faut que je leur dise de faire des revendications. Alors, faut que je me mette là. Voilà, province d'intérêt national. Il faut que je leur définisse parce que sinon ils vont pas faire de revendications. Ce serait dommage de s'en priver. Voilà. Donc moi, je vais faire plutôt cette partie-là alors. Qui m'intéresse beaucoup moins, mais alors il me faut Al-Souez par exemple.
Fayoum. Bon, je vais m'arrêter là pour l'instant. Nassau, on va pouvoir faire peut-être Trèves. Ok. Non, de toute façon, c'est vraiment pas dans mes objectifs. Donc je m'en fous un peu, honnêtement. Allez, c'est parti. Donc Nassau, Ulmünster, Brandebourg, Bohême, Pays-Bas. Pays-Bas. Non, j'ai aucun objectif dans les Pays-Bas. Impérialisme. Ah merde, on est en trêve. J'étais pourtant sûr de ne pas avoir vu mon pays dans la liste. Et merde, je l'avais loupé. Bon, bah ok, c'est mort. Ah, ça m'énerve parce que j'ai cru regarder, enfin j'ai regardé, j'ai cru voir. Plutôt. Ah, fait chier. Alors je suis en trêve avec la Lituanie. En fait, ça, l'effet sur la stabilité, il devrait mettre ça beaucoup plus vers le haut, quoi, parce que c'est pénible de pas pouvoir le voir. Elle a toujours la possibilité de perdre ses 3 points de stabilité et de se prendre les 3 points de lassitude de guerre. Pff, ça fait chier. Pour l'instant, je vais pas prendre cette option. Alors, il y a la Moscovie. Ça m'intéresse pas trop, j'avoue. Ouais, bah, je crois que j'ai pas trop le choix. Si je veux faire quelque chose, c'est la Moscovie. C'est la Moscovie ou rien. Hein. Je vais accélérer le temps. C'est bien dommage, il me reste 9 ans à jouer. Et c'est pour ça que je voulais pas faire cette guerre à la coalition, parce que je savais que je me retrouverais bien embêté pendant une longue période. Il va falloir que je sois patient. Alors, je vais faire une armée ici. Une armée ici. J'ai encore le temps, même si je veux faire la guerre à la Moscovie, j'ai le temps. Alors, je vais. Il n'y a vraiment rien qui m'intéresse en Moscovie, quoi. Je vais prendre mes 160 000 hommes et puis je vais quand même leur faire la guerre, hein, je crois. Mais ça va pas être d'un intérêt pour moi extraordinaire. Alors, je vais pouvoir par contre développer ma doctrine et ça, c'est un intérêt très important. Puissance commerciale totale. Donc pour l'instant, on était à 230 avant de commencer. On va voir combien ça va nous, à combien ça va nous amener. Bon, pour l'instant, les effets vont pas être extraordinaires. Ce qui va compter, c'est quand j'aurai les marchands supplémentaires, évidemment. Alors là, on va avoir une grosse baisse des révoltes. Il y a déjà plus tant que ça, en fait. Cool, ça peut toujours servir. J'arriverai jamais à tout convertir assez rapidement. J'ai pas assez de puissance. Ah là, il y a plein de guerres auxquelles je peux pas participer. C'est quand même bien énervant. Ils y étaient à peu près tous dans la coalition, je crois. Palatina, c'est sûr qu'ils y étaient. Nassau. C'est sûr aussi. Il y avait tout le monde dans la coalition. Ok, ça c'est cool parce que tout ça, ça va me mettre quasiment à zéro. Peut-être que Amas Naya là n'y est pas. Tout simplement parce que ils sont en train d'être convertis. Voilà, tout d'un coup j'ai beaucoup d'argent. Hein. Ça coule à flot là. Je vais me faire quelques bâtiments. Peut-être commercial. Tiens, ça fait quand même longtemps.
dans la manche si je peux améliorer les choses. Ouais, je suis pas sûr que ce soit dans la manche, malheureusement. Séville, peut-être aussi un peu. Ok. Peut-être un peu sur Alexandrie. Ouais, c'est parti. Là, il y a beaucoup de place. Hein. Et un peu sur Constantinople. Ouais. Là, il y a aussi des gros chiffres, je vois ça. Sur la Crimée. Ok, bah j'ai tout dépensé d'un coup. Poisson, pourquoi pas, ça va me servir beaucoup. Morale terrestre, ouais, ouais ça c'est cool parce que ça... Déjà la France c'est le plus gros pays question morale des armées. Et là je pense que ça va encore améliorer les choses. Ok, pour l'instant je vais vous laisser là. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain bien sûr pour la suite de ce Let's Play.